Salut à tous, c'est Tony. On se retrouve pour une deuxième partie du tournoi. Écoutez, après avoir perdu contre Lot, celui qui a créé le tournoi, Monsieur Ox, j'ai réussi à enchaîner deux victoires. Donc, je me retrouve sixième du tournoi sur 50 pour l'instant. Donc, je regarde s'il y a quelqu'un de mon clan qui se. J'ai vu qu'il y avait Alcatraz. Allez, on va regarder sa game un peu. C'est fini presque. Il est en train de gagner Alcatraz. On va regarder la fin de sa game. Donc là, l'autre a lancé un ballon, il a mis un zappi. Donc ça va, il a bien défendu. Là, il pousse avec le zappi maintenant. Hop, il met un chevaucheur de cochon. Le combat est terminé déjà. Donc j'aurais pas eu le temps. C'était juste pour faire un petit clin d'œil. En même temps. Donc il n'y en a pas un qui commence maintenant de combat. Il y a Kuss qui est en train de se battre, mais bon, ça a dû déjà commencer. Bon, écoutez, on va lancer le combat, on va voir contre qui on tombe. Apparemment, contre personne pour l'instant. Apparemment, on tombe contre personne. Donc, je mets annulé, mais ça bug. Ah, je sais pas si c'est pas mon jeu qui a bugué. Ah, attendez, on va le relancer. Hop, Clash Royale. Alors, qui c'est qui est en train de se battre? Toujours Kuss, personne après. Bon, mais allez, on relance un combat. On va voir si ça merde ou pas. 40 secondes, voilà. Maintenant j'ai le temps. Allez, c'est parti. Contre qui? Contre Idetoleb. Un gars de mon clan aussi. Allez, bonne chance. Allez, c'est parti. Alors, on va pas faire de la dentelle, on va lui envoyer un géant direct, voir ce qu'il fait. Je ne sais pas quel deck il a. Il joue un chevaucheur, on va le contrer avec les barbares. Voilà, hop, on met un sort d'électrocution sur sa horde de gargouille, il joue boule de feu. Donc mon géant va-t-il avoir le temps de mettre un coup? Non, malheureusement. Il a bien joué, il a bien joué, il a bien joué. Là, je n'ai plus d'élixir, donc il va falloir que je fasse très attention. J'aurais eu le temps de lui mettre juste une petite flèche quoi. Donc on va attendre de voir ce qu'il fait. Il devrait faire pareil que moi, il se recharge en élixir. Là, il joue une mousquetaire sur la droite. On va envoyer un sorcier de glace. On va défendre, Alors, il joue un chevaucheur, on met un canon pour le dévier, on met les barbares. Et il joue pas mal, On va mettre la Valkyrie qui va s'occuper de son sorcier. Voilà. Alors on va laisser faire la Valkyrie le sorcier de glace. Pendant ce temps, on va se recharger un élixir. Mon sorcier de glace qui s'occupe très bien de sa horde de gargouille. Donc ma tour va la finir. Et on va repoucher de l'autre côté avec un géant. Suivi d'un autre sorcier de glace. Voilà, il joue sa horde de barbares. Ça, c'est bien joué. On va essayer de mettre les archers avant. J'ai fait une petite erreur. Bon, c'est pas grave. J'ai réussi à lui mettre un coup au moins. Donc, ça va s'en débarrasser. On va mettre un chevaucheur pour le pousser. On va garder le sort de zap. Voilà, mon chevaucheur va pouvoir mettre un ou deux coups. Voilà. C'est ce qu'on voulait. Allez, on va les laisser venir. On met, hop, la Valkyrie pour s'occuper du sorcier de la mousquetaire. Ma horde de barbares pour s'occuper. Il a gelé, mais ça a servi à rien. Donc là, c'est pas mal pour nous. On va pouvoir faire un push. La boule de feu, bien joué pour défendre. On va électrocuter ça. Allez, mon géant qui aurait le temps de mettre quelques coups. Ça, c'est pas mal.
On est pas mal, on est pas mal. Hop. Voilà, je vais comme ça. Il ne pourra pas passer là. Ah, bien joué le sort de gel, sa race. Bien joué, la boule de feu aussi. Allez, contre-attaque. On met un chevaucheur. Allez, on va lui casser sa tour. Eh ben non, hein. Putain. Ah si, c'est bon. Ça va être bon. Ah ben non. Bien joué la défense. Hop, on refait toujours pareil. Le canon, la horde de barbares, une Valkyrie là-haut. Il a gelé trop tard. Allez, ben c'est parti. Je vais pas réussir à passer. Bon, mais écoutez, on va pas le faire attendre. Hein. On va pas le faire attendre. Allez, ben c'est fini. C'est fini pour lui. J'aurais pu envoyer le zap avant, mais bon, j'ai pas voulu faire le bâtard. Super combat. Voilà, c'est quelqu'un de mon clan, la solidarité. Alors, qui c'est qui se bat? Nous avons Goku qui est en train de faire un combat. On va le regarder. Ah ben, contre Alcatraz en plus. Allez, on va regarder ce combat, puis après j'arrêterai cette vidéo. Donc, il est en train d'attaquer avec un chevaucheur. Alcatraz qui défend avec des archers. Le chevaucheur de Goku qui fait très mal. Donc les archers ont réussi à s'en débarrasser. Mais il reste que 653 à sa tour. Alcatraz qui joue un chevaucheur mais qui va être contré par les hordes de barbares de Goku. La horde qui avance avec un... Alors que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Avec le sorcier de glace. Le sorcier de glace qui va se faire casser la gueule par des gobelins. Alcatraz qui est un peu qui est dans le mal là. Non, mais il a pas joué ce... S'il a dû la jouer au tout début. Le zappy. Alors là, Alcatraz est full élixir. Il choisit de jouer le zappy avec deux archers devant. Voilà. Donc il va faire mal avec son zappy. Goku va-t-il s'en sortir face au zappy? On va voir ça. Ouais, il s'en est bien sorti avec la boule de feu. Bien défendu. Goku qui attaque avec un chevaucheur. Mais le chevaucheur va pas faire long feu. Attaque d'Alcatraz avec une Valkyrie, des gobelins, deux archers et un chevaucheur qui arrive. Ah! Bien joué à Alcatraz. Eh ben oui, bien joué. Il a réussi à avoir la tour à Goku. Et à mettre quelques coups sur la tour principale. C'est un match tendu. Mais c'est fini. Et victoire Alcatraz. Bien joué. Bien joué, bien joué. Allez, bah écoutez, j'ai plus de batterie. En plus, ça tombe bien. On va donner une carte. Allez, on va arrêter là pour cette vidéo. Et j'essaierai d'en refaire. Mais je pourrais peut-être pas faire la fin du tournoi. Car je serai au travail quand il se finira. Donc c'est ça qui m'embête un peu. Mais bon. Allez, voilà. Merci à tous. Ciao.